s'en va nous. Young legend in the making. Heard they was salty, so I shake them. Yeah, I heard them hating. But a nigga been patient. In my room just pacing. Tu le vois là? Je vais essayer de lui faire peur. On va essayer de faire ça tranquillement. Je crois qu'il m'a vu. Non, il est tellement gogol, il peut pas me voir. On va attendre qu'il fasse du bruit. Ah, ça y est, il est en train de faire du bruit. Ça y est. Il va pas entendre là. Ça. Salut les petits potes! Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Ensuite, je pose le micro et après, je vais la table. Ça va. Ça va. Salam alaikum, les khoya. Encore fini, c'est vrai que je ne fume pas. Ça va? Ça va, monsieur Ojiz? Nickel. Hein. Qu'est-ce que tu fais, monsieur Ojiz? Je suis en train de nettoyer un petit peu le bac et toute la zone un peu avant que. Avant que Johan rentre? Voilà. Ah ouais, voilà. Ouais. Mon petit Erwan, comment tu as vécu ces jours sans ton patron? Toi, je vais te parler après. Moi, très bien. Très bien. T'as fait quoi, du coup? J'ai tout fait, j'ai dû les gérer, c'était dur. Ah oui, oui. De toute façon, qu'est-ce que tu veux compter là-dessus? Regarde. Tu peux... Non, en soi, quand le UE est parti, il nous a laissé une petite liste. Ouais. Donc, il y avait le capot de la Tesla qui était à peindre. Ça y est, ça c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est livré, nickel. Oui, très bien, voilà. Je l'aurais pas filmé, voilà. Le Q5. Le Q5 en lustrage et en... Il est fini, il est là? Oui, on l'a livré. Il est livré aussi. Bon, du coup, ça ne sera pas dans la vidéo non plus. Il y avait la Mini aussi, l'arrière, fil pare-choc arrière. On a livré hier, du coup, lundi. Puis là, du coup, je peins un pare-choc de Polo qui doit partir mercredi, donc après-demain. Et Yo, de retour cet après-midi, c'est ça? Normalement, demain? Normalement. Il va peut-être pas rentrer. Ouais, non, mais en même temps, quand tu les vois, regarde. C'était pas évident. Qu'est-ce que tu veux gérer des gens comme ça? Lui, déjà, il est borgne avec son œil. L'autre, il comprend jamais rien. Tu peux rien faire avec ces gens. Et voilà. Voilà. Ça rigole. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, t'as pas? Oui. Non mais regarde, tu compares 2024 à 2018. Non mais c'est les jours fériés. On va dire que là, qu'ici il y a un côté artistique, c'est beau. Hein. Là, ça fait un peu artistique. Oui, mais toi, t'es un chien de la casse, toi. Et toi, tout est artistique pour toi. C'est ça le problème. Là, il y a quelque chose de beau. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses, Tony? C'est micro trottoir. T'en penses quoi, Tony? Moi, je préfère la mécanique comme ça. Toi, tu préfères la mécanique comme ça, mais regarde. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je suis désolé, ça fait... Là, tu vois, c'est classe, il y a un truc. C'est vrai, c'est classe, il y a de la lumière, il y a... Elle est très... On voit pas tout, mais elle est très belle. Oui. Elle est très belle. Mais là, enfin, je suis désolé, mais... Ouais, mais après, là, je t'ai pris l'exemple, je crois qu'il y en a des... Ouais, bon, celle-là, c'est pas chaud. Ouais. Je sais plus, c'est sur lequel. Ouais. Je suis difficile comme gars. Ouais. 2020, est-ce que c'est mieux? Là, oui, là, déjà, c'est un peu mieux. Voilà, là aussi. Comment ça pudique? Oui, mais là, c'est plus joli. Mais à un moment donné, il y a les femmes complètement tout nues. C'est plus joli, une femme comme ça qui se cache. Oui. Ah oui, ça, c'est vrai. Qui se dévoile comme ça, on est d'accord? Je suis un peu d'accord. À part mater des gonzesses, toi, t'as fait quelque chose pendant l'absence de Johan? Oui. T'as fait quoi? Il y avait... Je sais même plus ce que j'ai fait. Ah oui? Non, okay. Il y avait la semaine dernière, il y avait la Tesla. Oui, c'est bon, il m'a tout dit déjà. Mais toi, t'as fait quoi? J'étais avec dessus. Ah, d'accord, ok. Bah, hey. Oui. Oui, tu l'épaulais, quoi. Voilà. Ah, ok. Non, ouais. Bah, c'est vrai. Toi, t'es un gars de l'épaulage, toi. Ouh. Il est enfin arrivé. Bon, on va pouvoir suivre dans ce vlog-là le ressoudage. Le ressoudage, le soudage tout court, quoi. C'est l'homme à tout faire. Là. Qu'est-ce que tu nous mijotes de bon, là, mon petit... Ça, c'est les carénages de Ducati. Oui. C'est bon, ça, c'est les meilleures motos, ça. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est les plus belles. C'est le,
enfin, peut-être pas dans ces années-là. Non, oui. Mais aujourd'hui, c'est les plus belles. Mais oui. Puis oui, mais toi, t'es un Italien à la con, donc forcément, Ducati, oui, t'es là. Non, c'est les plus belles. Donc là, je suppose que c'est une peinture complète des carénages. Oui, peinture complète. Il y a le réservoir, il y avait deux, trois petites bognes. Ouais. On a fait. Obligé de mettre un peu de mastic là, en plus là. Ouais, parce qu'il faut savoir que nous, on n'est vraiment pas mastic, hein. On essaye au minimum. On a un peu retapé et tout. Après, tu sais, genre, on met un peu de mastic. Après, voilà, on cale bien, on fait ouais. Propre. Mais c'est vrai que j'avoue, c'est rare quand je vois du mastic. Johan, il aime pas trop. Il aime pas trop le mastic. Lui, voilà. Sur moi, c'est un taulier, mon Robin. Un taulier. Il aime quand ça tape. Voilà, c'est ça. Après, tu vois, il y a beaucoup d'impact aussi. Ouais, ouais. Donc, il y a un peu de boulot, mais après, c'est une moto qui a vécu aussi. Ouais. Bah, tu sais, ça doit être quoi, les années 90, ça, non? Une super sport des modern femmes. Comment on dit là? Toi qui es un Italien pas, là? Ouais, je sais pas, moi je parle pas c'est italien. C'est même quoi. Pas toi. Gars, il est tout le temps. Eh, marqué, ça c'est. On va faire la vidéo avec ton Vespa là. Ouais? Je sais pas en fait, quand faut que je regarde. Bah tu me dis, hein. Même ça. Parce qu'il a un beau casque, il faut qu'on fasse un. Meilleur scooter du monde. Oui, bon, c'est vrai que j'avoue, c'est le plus stylé, c'est le meilleur. Après, je. Moi peut-être, je suis un fan. Peut-être pas les nouveaux. Non, pas les. Merde! J'ai eu un moment de faiblesse. Non, mais c'est pas le. Tu sais que j'adore ça. C'est la voiture de ma femme. Petit MG. Vraiment, en vrai. Tu sais que je connais la marque, mais pas plus que ça, tu vois. C'est franchement, en termes de rapport qualité-prix, c'est trop bien. Je saurais même pas te dire ce que ça vaut. C'est ce trop que... bien. Bah, ça, en gros, en LO1, le modèle comme ça, c'est genre c'est 300 balles par mois avec 10 000 km par an. Ok. Pour une voiture qui a 300 km autonomie, franchement, c'est bien. Okay. Voilà, c'est tout. Ah, puis bon. Tu vois, Lucas, il a commencé à faire pare-choc. Ah oui, le pare-choc, oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est beau, mon gars. Je sais pas quand est-ce qu'il veut le peindre. Ok. Piste 106. Ah. Il y a quoi là-dessus? En gros, on a fait le plus gros de là où c'est qu'on voyait les défauts. Ouais. Là où il faudra bien accentuer sur les défauts, etc. Donc on les a entourés, on a fait le plus gros. Après, il faudra vraiment mettre avec, tu sais, bien faire avec les lumières, etc. pour bien regarder où c'est qu'il y a les défauts correctement. Okay. Très bien. Waouh, j'ai failli me prendre ça en plein dans le. Ouais. Alors, lui, il rentre de vacances, la première chose qu'il fait, c'est me critiquer, me casser les couilles. Critique pas. Connard. J'ai pas dormi, tu fais un show, t'as la tête qui. Non, en fait, c'est pour dire au mieux qu'il y aura des pièces. Pam pam pam. T'es fatigué? Et la gueule que j'ai encore. À chaque fois, tous les 2-3 semaines, j'ai une gueule comme ça. Non, ça va. J'ai pas dormi de la nuit, quoi. Normalement, il est moins 6 heures. Donc, je dormais encore là. Je dormirai ou un truc comme ça. Mais ça va, c'était bien. Bon, apparemment, t'attaques. J'ai commencé. Il me reste plus que le panneau là, j'ai que c'est, tu vois. Ouais. Ils m'ont fait le toit, t'as vu, je pense à montrer la dernière fois. Non, je m'en changeais le toit, il n'était pas changé. Là, maintenant, il y a tout le toit tout neuf. Ah aussi, ouais. Avant, c'était dégueulasse, tout moisi. Oui, c'était tout moisi, mais j'avais jamais porté attention, c'est au-dessus de la tête, je regarde jamais au-dessus. Bah là, dès que je suis arrivé, je l'ai vu, moi, j'étais comme un dingue. Ils m'ont fait ça au moins pendant que je suis parti bien. Ils ont super bien bossé, là-bas. Ils m'ont livré à Tesla, tout le gars, vraiment super content et tout, j'étais fier d'eux. C'est cool. Celle-là, elle est prête. La MG, Capin. Là, on va la peindre, ouais. C'est une petite dame bien gentille, qu'elle vient souvent, donc on a sauvé un petit peu les meubles, entre guillemets, c'est pour pas y faire trop de grosses factures non plus, parce que tu vois, c'est comme que c'est les petites dames, tu vois, elles n'ont pas forcément très, très grosses retraites. Et puis, on arrondit un peu les angles, on est là pour ça, quoi. Là, ça, c'est un sinistre. Elle a bien été. Bien mangé. Moi, tu le verras, je passe, tu le verras avec la caméra, il est écrasé, là, tout là. Aïe, aïe, aïe. Si. Tu vois, il est rentré tout le long, là, jusqu'au bout. Donc là, je vais leur dresser quand même cet après-midi pour qu'ils soient en ligne. On va faire le panneau jusqu'en dessous, tu vois. Ouais. On va essayer de raccorder ici, comme ça je vais pas toucher le transit là. Mmh. Il a déjà été repeint, tu vois, il est déjà vachement. C'est déjà vachement flou comme je trouve. Il est ambigu. Il y a des couleurs qui changent, tu vois. C'est... Mais il est bien marqué quand même. Ouais, il a plus cher. Donc celui-là, ça va être bien sorti. La MG elle est prête. Le Juke est prêt à passer en lavage peinture. Tu sais, c'était le gros grêlé qui a filmé dans le vlog la semaine dernière. Mmh. Donc ça était bien malade. Ouais, c'est vrai qu'il avait pris cher, mais là on voit, ouais, il est tout propre. Il n'y a plus qu'à le passer en camouflage. Mec. Il y avait un taf de dingue quand même. Et après, on va lustrer les parties là. Tu sais, comme il est tout mat, il n'y a plus de brillance.
Ouais. Donc on va faire un truc neuf, il va falloir qu'on ramène la couleur sur l'ensemble là. T'as dû le voir lundi ou hier, je sais pas comment t'as filmé. C'est le pare-choc neuf qu'on a remplacé là. Ouais. Ici. Bon là, ils vont aller passer un petit coup là-bas parce que tu vois. Mais ils ont tout nettoyé l'intérieur et les bijoux. Ils ont fait tout l'ensemble et tout, comme ça c'est propre. Au moins ça ressort au mieux quoi. Après les sièges des gens, malheureusement, c'est pas. Ah non, voilà. C'est pas notre taf quoi, on va pas faire un détailing du siège, hein, malheureusement. Bon toi par contre, tout ce qui est panneau, lumière. Oui, au moins c'est propre quoi. C'est livré propre, intérieur-extérieur, malgré que ce soit juste un pare-choc. Maintenant c'est la règle d'or que je me donne, c'est chaque véhicule qui rentre, c'est contrôlé. Ils font du bordel. Hein. Bah oui, comme à chaque fois, putain. Et puis, hey t'as l'impression qu'on est en train de tourner là. Tu vois, il était là le pare-choc, regarde. Ah oui, qu'on voit le avant après. Ah, il avait mangé là. Mangé. Là, mon copain. Ouais. Ah oui, putain. Le plus gros, j'avais même pas vu. Ah ouais. Putain. Ah, il avait bien mangé. Non, il est bien. Donc, ça, c'est bon. Et puis là, ben là, je vais faire tout le. Du coup, ça y est, je suis décidé. Je fais tout le ciel orangé dégradé. Tu vois, quand j'arrive sur le jaune en bas. Là, je vais faire toutes les towers de Los Angeles. Ouais. C'est un peu la ville. Avec des palmiers de chaque côté, là. Puis là, j'ai écrit garage du tertre un petit peu, tu sais, encore. Puis voilà, le gros panneau principal là, t'arrives là, boum, tout le mur, garage du tertre. Là, je fais le drapeau américain, c'est comme j'avais dit au départ, en dégradé, un flag. Ouais. Et après, je vais recouper celui-là, vu qu'il est quand même en bon état. Et je vais le couper là, bien propre, il sera noir, puis je vais le remettre au-dessus de la cabine. Okay. Comme ça, la cabine, t'es avec le garage du tertre, le drapeau américain est propre, le gros logo ici. Puis on verra bien le. Puis on verra le garage du tertre aussi dedans, du coup. Ouais. Oui, parce que tu fais pas les vitres, on est d'accord. Non, ça, ah, je vais les nettoyer après, ça, je vais les faire, parce qu'avant on s'en foutait, parce qu'on n'avait pas de visu ici, mais là je vais les mettre un petit coup de brosse, un petit coup de lame scalpel pour nettoyer. Mmh. Ok. Là tout est pré-câblé, là, on est en train de finir le câble et la porte, puis là-bas, ben, toi j'ai remis une étagère hier, là, de finition, de préparation, là tout est bien en place, toi, les polishes, les finitions, les trucs. T'avais filmé le mur de détailing qu'il avait fait, Tani. Ouais, attends. Quoi? Ah ouais, mais là maintenant. Toi, ouais. Qui est derrière, la smart, il pousse une smart dans le trou. Ouais, donc là maintenant il est tout propre, tout propre. Et ouais. Maintenant on peut. Bah non. Non, j'ai dit, vu qu'ils sont pas utilisés tout le temps, ouais. Après, on abuse, hein. Mais ils sortent, hein. Oui, ils sortent, mais. Faut juste faire un peu les gars, tu vois. C'est chiant. Au moins, c'est bien rangé, ils seront bien mis. Ouais. Je connais les histoires, ils vont se faire chier à bien les mettre et tout. Ça va être... Là, on met, puis je vais marquer des timings au-dessus, propre. Là, il y a là, toute la petite caisse qui est en dessous, tu vois. Ici. Tu vois. Ouais, ouais. Il y en a qu'un mongol qui a réussi à me foutre la policheuse ici, mais ça, c'est. Elle est là, exprès, il y a toute policheuse, mais non. Merde. Ah, ça me saoule. Et puis voilà, donc du coup, le gros logo, les panneaux, et puis tu vois là-bas, on allait voir l'étagère, à chaque fois on est perturbé. Ouais, là c'est propre. Là, t'as toutes les lumières, quand on fait les lustrages, des taillings ou voir les côtés pour être sûr, toi. Puis c'est pas des machines à recharger, toujours tu t'emmerdes, au moins tu tires un touret et tu branches, t'es tranquille. Tout leur dressage principal. Les ponceuses de finition et puis tous les gros tas et puis avec les disqueuses. Comme ça au moins, t'es compartimenté, tout est bien à sa place, tu vois. Ouais. Comme on avait vu l'autre coup, c'est nickel carré. Même là, j'ai remis la petite boîte qu'on n'avait pas vue, là, t'as tous les accessoires, les rivets, tout ce qu'il faut pour vraiment bien travailler, tu vois. Ah, le fameux. Parce qu'on a regardé un peu le calendrier hier. Enfin, tu verras dans le vlog hier. Hier, c'était dilettante, mon gars. C'était... Aïe. Voilà, on faisait des comparatifs de calendrier des autres années, c'était quel le mieux. 2018, il était... Eh, mais non. Celui-là, il est plus joli, putain. T'as vu? Attends, je vais te montrer ça dans mon labo après. Ouais. Donc là, toi, tout est bien mis, les cannes, ouais, les supports. Ouais, ça en est tout mis. Donc ça arrive vraiment top, là, maintenant. Puis là, moi, je vais faire la peinture au sol vendredi. On va confirmer, et puis... semaine pro, on est en vacances. Ah oui, parce que là, on ferme, mais du coup... Donc cette semaine, je vais sortir ce vlog-là. Et puis peut-être aussi faire une petite parenthèse qu'on va faire nous les. On va fermer légalement parlant vendredi. On va faire Noël et tout family et tout le bordel. Merry Christmas, mec. Et on va faire le bureau. Ah ouais. Je vais envoyer Lulu à Bricoman qui me paye la. Payer les pièces puis la livraison, comme ça il me livre le placo et tout là. Et ben comme ça tu me tiendras au jus, moi je viendrai filmer. Comme ça je peux avancer la milieu un petit comme peu ça le but c'est que. Ça, la peinture au sol, le machin, qu'on arrive, allez, mi-janvier, là, à la reprise, que les bureaux ils soient prêts, les clients, les trucs, fait que, ouais. Tu vois que ça se déroule normal. Et février, mars,
Après, on fait le gros opening, on fait un petit peu un gros barbecue à l'américaine, on fait tout un truc. Toutes les belles restes qu'on a fait, toutes les motos, on met tout dans le garage, on fait un. Voilà. Truc bien. Un méchant. Puis normalement, on va avoir bientôt une Lambo. Il y aura Cannes Performante pour refaire les 4 jantes. Et puis en même temps, gentiment, on va la stocker ici, ce sera sympa. Preparation for rail. Voilà. Bien entendu, on fera un petit tour avec une caméra embarquée pour. Savourer le son. On fera un petit tour et puis montrer aux gens on sait aussi utiliser les voitures dignement. Hein, voilà. Pas comme des cons. Si, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ça fait combien de temps que j'ai le garage? J'ai jamais utilisé une voiture pour quoi que ce soit ou faire un tour sous le parking quand on m'a autorisé de la faire. Si, c'est vrai. Oui. Même des pires, hein, la Ferrari F430 du binge, machin, j'ai même cité le binge ou quoi, machin, j'ai jamais roulé avec. Tu vas pas en essayer pour faire un pare-choc. T'es mécano, tu fais bon, après, voiture. Si toi tu fais un pare-choc, tu peux le refaire. Oui, non, mais même, tu pars. Ouais, mais voilà, non. Ça peut arriver tellement vite, une couille, gros. Faut que le proprio, il dise, voilà, si vous voulez aller l'essayer. J'ai travaillé chez Lucina, moi, dans le temps. Hein, avec les voitures en essai, gros. Je fais des gros travers dans les ronds-points une fois ou deux, gros. Psychote, ça va à ta voiture, tu dis, c'est passé, là. Le jour, ça passe pas. Mais non, faut arrêter les conneries. Non, c'est des trucs de taboulu, tu sais, mon fils, il regarde. T'as jamais vu Grizzly, là, dans Netflix, là? Non. Ah, mais tes filles, je regarde pas, peut-être Grizzly. Non. T'as des petits. C'est les Lennings, là. C'est des petits ratons laveurs, là. Tabouli, comme ça, t'es. Non, moi, elle regarde plus des. Le pire, c'est que Noah. Raven, des histoires avec des chevaux. Ah, voilà. Et ben, mon fils, il a fini ça. Je me dis, j'en suis sorti. Ben, le nouveau, ben, il refait la même. Tabouli, et puis une boire et Mirzi, là. Bon, voilà. Ah, j'ai mal aux pattes. Le fameux bas de la caisse. Qui a été changé. Donc, du coup, ben, on a réussi à trouver un occasion. Ouais, ça t'avait expliqué. Donc, tu vois, voilà. Là, c'est beau, hein, quand c'est propre. Hein. D'accord, faut faire la petite jonction, tu sais, un petit coup de mastic, la petite périphérie, un petit coup de mastic à lui. Oui, d'ailleurs, j'ai dit dans le vlog avant que t'étais pas trop mastic, toi, parce que tu sais, j'ai commencé à filmer la Ducati. Ouais. Voilà. Et il y a un endroit sur le réservoir, t'avais un peu de mastic. Justement, on disait avec Tony que le mastic, si on peut éviter, c'est mieux. Mais le problème, c'est que le mastic, il était conçu pour la réparation automobile. C'est normal de l'utiliser. C'est comme tu prends une caméra pour filmer. Caméra, tu filmes pas. Nous, on n'a pas de mastic, on ne répare pas certaines formes ou des plats. Ouais. Je veux dire, tu auras certaines caisses, tu as une porte de smart en plastique, à part mettre un mastic plastique, si tu as un impact dedans, tu ne vas rien pouvoir faire. Tu n'as pas t'amuser à souder, chauffer, remettre le plastique. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si tu peux éviter de l'utiliser en termes de simplicité pour quelque chose. C'est mieux, parce que déjà, ben, tu auras moins de ponçage, moins de temps. Tu vois, là, genre là, on va mettre un mastic, mais vu que tu es déjà bien soudé, là, Lucas a super bien bossé au niveau de la soudure. T'auras pas beaucoup à remettre. Il a tellement bien fait les jonctions que t'es pas emmerdé. Ouais, ouais. Là, la périphérie de finition, on est soulevé plus loin. Ouais. Donc en fait, on n'a même pas besoin de redessiner la ligne. C'est super beau. Dans les joints, c'est pareil. Là, tout a été bouchonné. Soudé, on a mis le zinc de protection. Là, on va faire la petite jonction en mastic, mais toujours dans les endroits qui sont pas visuels. Tu vois, t'as la charnière, t'as la porte. Même si c'est travaillé là, t'as pas de gros visu. Là, bon, là, malheureusement, t'as pas d'autre choix que de le voir là, mais on va tellement bien le faire. Là, je pourrais pas te le montrer, ou toucher, on le voit pas à la caméra, mais. On est déjà vraiment super. C'est lisse, il n'y a pas ça. On n'a pas de surépaisseur où le bas de caisse n'est pas décalé par rapport à la caisse. Pardon. Abdullah. Désolé. Mais c'est propre. Comme ça, on va pouvoir l'avoir toute finie, du coup. Et puis comme ça, ben là, on peinture au montage, et puis je peux livrer avant Noël, et puis on peut faire plaisir à pas mal de gens avant Noël, c'est bien. Puis pas trop surcharger psychologiquement pendant les fêtes. Ah. On redémarre l'année prochaine, on est déjà blindé de rendez-vous. Janvier, février, on est déjà plein. Sans compter toujours d'habitude, ben, toi, les restos, la manta, les caisses, les. Les délires à côté. La SL, on n'en parle pas, mais il faut que je la passe. On a bientôt. Ça va bien. Parce que ça va vite arriver. On a même pas un an, quoi. Faut se taper le cul vite, là. De ouf. Mais ça va aller. Moi, je stresse pas plus que ça parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Voilà, faut juste être discipliné. Et puis, ben, si à la fin, on voit qu'il reste 3 mois, ça va pas, on fera des nuits blanches pendant 3 mois. Ouais. C'est tout. C'est comme ça, c'est la life. Hein. Là. Allez. C'est parti. C'est le petit rendez-vous de ce matin. En dit long pour la suite. Notre petit Tony National qui est en train de faire le petit nettoyage. Voilà le pare-choc en peinture qui a été repris sur l'MG. La patronne. Donc maintenant, sérieux absolu. Tony, sérieux. T'as peur un peu de la patronne, non? Non, ça va. Mytho. Et ben voilà, première partie faite, il s'est enflammé. Hein. Ça va être beau, hein, avec le beau garage du tertre au-dessus. Là. Maman, Seigneur, quelle beauté. Ah,
make it. Young legend in the making. Heard that was up.